une question. Voilà, on a une question, alors quelqu'un va pouvoir nous le lire. Je ne sais pas si c'est lisible. Je vais tenter de lire. D'accord. Alors, dans Apocalypse 3:12, Jésus dit qu'il va révéler son nouveau nom. J'ai pas compris. Avons-nous plus d'informations dans la parole? Bien sûr. Le Seigneur a dit dans Apocalypse 3:12 qu'il va révéler son nouveau nom. Avons-nous plus d'informations? Tout à fait. Ce nom est révélé. On va lire d'abord ce verset-là. Apocalypse 3:12. J'espère que pour la question, j'étais bien répondu. Voilà. Gloire à Dieu. Nous sommes dans Apocalypse 3:12. Le vainqueur, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Père, et il n'en sortira plus. Et je crierai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la cité de mon Dieu, qui est la Nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel de près de mon Dieu, et mon nom nouveau. Mon nom nouveau. Donc, effectivement, il y a un nom nouveau. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 19, verset 13. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang et son nom s'appelle la parole de Dieu. Bah oui, parce que on nous dit dans Jean 1 qu'au commencement était la parole. La parole était tournée vers Dieu et Dieu était la parole. Et on nous dit que cette parole est devenu chair. Mais le Seigneur a dit, vous chasserez les démons en mon nom. Vous chasserez les démons en mon nom. On sait que son nom, bien sûr, c'est Jésus-Christ. Hein, Yeshua, le Messie. Mais ici, dans Apocalypse, on nous dit que sur sa cuisse, c'est bien ça. Hein. Donc, il était revêtu d'un vêtement teint de sang et son nom s'appelle la parole de Dieu, pardon. Donc, sur sa cuisse, c'est écrit, roi des rois et Seigneur des seigneurs. Donc, on voit que au retour du Messie, donc ici, c'est le retour. Et c'est là maintenant que son nom est révélé. La parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu qui est Dieu lui-même qui était venu est en fait son nom en même temps. Et c'est pour cela que quand Jésus-Christ disait que vous chasserez les démons en mon nom, il voulait dire quoi? Il ne voulait pas dire que le fait, n'est-ce pas, de crier partout au nom de Jésus, que les démons allaient sortir. Non. La preuve. Les sept fils de Séva, dans Acte 19, ont invoqué le nom de Jésus-Christ sur les personnes possédées. Et on sait ce qui s'est passé par la suite. Ça n'a pas marché. Parce qu'ils ont vu Paul le faire. Et ils ont dit, nous vous chassons au nom de Jésus-Christ que Paul prêche. Mais ça n'a pas marché. Pourtant, ils ont invoqué le nom de Jésus. Donc, on comprend par là quand Jésus-Christ, que quand Jésus-Christ dit que vous chasserez les démons en mon nom, et son nom, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est la vie. Donc, il voulait dire ceci. Ceux qui ont ma parole, la parole vie. Parce qu'il a dit dans Jean 6, 63, mes paroles sont esprit et vie. Donc, ceux qui ont en eux la parole vie et esprit de Jésus-Christ, eh bien, partout où ils vont, les démons leur obéissent. Par exemple, les mouchoirs qui avaient touché le corps de Paul étaient appliqués sur les malades et sur les possédés, et les personnes étaient libérées. Est-ce que ces mouchoirs parlaient? Non. L'ombre de Pierre qui touchait les malades étaient guéris. Est-ce que son ombre parlait? Non. Donc, on voit bien que chasser les démons au nom de Jésus, c'est quoi? C'est-à-dire, il faut avoir la vie de Jésus-Christ en soi, avoir la parole vivante en nous, et partout où nous allons, avant même de parler, les démons vont quitter les corps. On prêche l'évangile, parfois les démons peuvent se manifester. Aujourd'hui, j'étais avec mon frère Julien, il y a des gens qui sont venus. Quand je suis arrivé au bureau, par exemple, je suis arrivé vers 15h, j'allais aux boîtes aux lettres pour chercher des courriers, je vois une dame avec ses deux enfants de plus de 30 ans, donc deux femmes, avec un bébé dans la voiture. Je leur dis, mais qu'est-ce que vous faites ici? Bonjour, donc je les salue, je leur dis, mais qu'est-ce que vous faites dans la voiture comme ça? Ils ont dit, non, on a envoyé un email parce qu'on voulait te voir et voilà, donc on est là depuis 2 heures. Waouh! Je me suis dit, mais si je savais, j'aurais pu venir plus tôt. Elles sont venues de très loin.
Et je les ai reçus, mon frère Julien est arrivé, on a commencé à prier, les démons commençaient à se manifester naturellement, sans forcer. Voyez? Donc, c'est pour cela aussi qu'il y a toute cette jalousie-là, parce que tu as des gens qui vont jeûner, pour crier, les démons ils sortent pas forcément, et tu en as d'autres qui ont en eux la parole du Seigneur qui est vie, qui est esprit, qui ont le mandat de Dieu. Ils prêchent simplement, les démons se manifestent, et bien, des guérisons, des miracles, des conversions. Donc, nous, on voit des gens qui débarquent à chaque fois pour le baptême. Tout le temps, de plus en plus. Eh bien, c'est parce que le nom de Jésus, c'est la vie. C'est ça, en fait. C'est la vie. Les démons sont chassés parce qu'il y a la vie divine. Les démons sont chassés parce qu'il y a l'esprit. C'est ça, le nom de Jésus. Donc, c'est pour cela que ce nom va être révélé, là, dans Apocalypse 19. Son nom est la parole de Dieu. Donc, chasser les démons sans la parole de Dieu, véritable, en toi, ça ne sert à rien. Ce n'est pas avec la connaissance intellectuelle. D'ailleurs, on a vu même des gens qui pouvaient être avec nous, qui pouvaient être, dont le crâne pouvait être rempli de quelques versets. Mais les gens, les démons, ça ne bouge pas. Les démons ne les connaissent même pas. Ils savent qu'ils sont dans leur camp. Mais pourtant, ils sont remplis de versets bibliques. Donc, c'est la vie. Et cette vie-là, seul Dieu la donne. Seul Dieu, elle est divine. C'est pour cela, le nom de Jésus, je me répète encore, c'est la vie. Le nom de Jésus, c'est l'esprit. Mes paroles sont esprit et vie. Voilà. Donc, gloire à Dieu.